force motrice de la vie, notre cœur. Avant de venir au monde, tous les êtres humains, vous y compris, passent une période de 280 jours dans le ventre de la mère. Au début de cette période, alors que l'être vivant ne consiste que d'une seule cellule, de manière miraculeuse, il se développe en grandissant chaque jour qui passe. Quand il a 22 jours, une bosse commence soudainement à bouger juste au milieu de cet être vivant. Cette bosse qui ne va jamais plus s'arrêter tout au long des longues années qui vont s'écouler jusqu'à la mort est votre cœur. Cet organe magnifique, qui commence à fonctionner alors que vous n'avez que 3 semaines, a des responsabilités très importantes. Donner la vie à chaque moment à environ 100 trillions de cellules qui vous forment, leur permettre de respirer et de se nourrir, les nettoyer, améliorer leurs maladies et les protéger des ennemis. Votre cœur fait tout cela en permettant à votre sang de circuler harmonieusement dans votre corps. Et vous, qu'avez-vous donc fait pour établir ce système formidable qui vous donne la vie? Qui a ordonné à cette petite bosse la nécessité de battre le moment venu et la nécessité de s'arrêter le moment venu? C'est Allah le Très-Haut qui crée pour vous ce système dans votre corps et tous les autres systèmes d'importance vitale, qui les dispose dans votre corps de la manière la plus parfaite. Allah, le détenteur de la force infinie, a créé et créé tous les êtres humains qui ont vécu tout au long de l'histoire du monde et ceux qui vivent en ce moment avec les mêmes systèmes parfaits. Dans ce film, vous allez voir à quel point le cœur, c'est-à-dire la force motrice du sang qui circule constamment dans votre corps et qui transporte la vie à vos cellules à chaque instant, est un grand bienfait pour vous. Vous allez être témoin, encore une fois, de l'existence et de la puissance de notre Seigneur qui l'a créé. Dans le Coran, le saint livre de notre religion, Allah nous informe ainsi de sa puissance de création. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur incroyance. Alors que l'être humain n'est encore qu'un fœtus de 22 jours, son cœur commence à battre et le cœur continuera à battre sans cesse jusqu'au jour où la vie va prendre fin. Cette pompe magnifique, en synchronisant les mouvements des muscles et des valvules, va battre environ 70 fois à la minute, environ 35 millions de fois en un an, et en moyenne 2 trillions de fois tout au long d'une vie. Comme conséquence de cela, la quantité de sang pompé est d'environ 227 millions de litres. Cette quantité étonnante est assez grande pour remplir un tanker de 10 tonnes en un jour et le réservoir de carburant de 700 avions de ligne Jumbo Jet pendant toute une vie.
Chez chaque personne en bonne santé, le cœur, qui est considéré comme la machine la plus productive au monde, ne perd jamais sa capacité à pomper le sang et à le distribuer dans le corps, et ce, sans jamais fausser son ordre rythmique. Ceci est un miracle extraordinaire d'Allah, qui est capable de créer dans le même temps un art supérieur, la perfection, un équilibre dont on ne peut produire de pareil et un intellect formidable. Notre cœur est en fait un morceau de chair de la taille d'un poing, formé par la réunion de l'eau, de la graisse et des protéines. Mais ce morceau de chair possède un système plus perfectionné que la pompe technologique que pourraient produire tous les scientifiques et ingénieurs du monde en rassemblant leurs forces et en utilisant les ordinateurs les plus puissants. Une des particularités miraculeuses du cœur est de pomper le sang en quantité nécessaire en diagnostiquant le besoin du corps. Chez une personne en état de repos, le cœur ne pompe qu'entre 4 et 6 litres de sang. Cette quantité est à ce moment suffisante pour cette personne, car, à ce stade, les cellules dans le corps n'ont pas besoin de trop d'oxygène. Seulement, chez une personne qui fait des exercices, le besoin en oxygène augmente. Il faut que l'oxygène soit transmis aux cellules de manière plus rapide. Le cœur détecte tout de suite ce besoin et commence à battre plus vite. En un jour, le cœur permet au sang dans le corps de faire 1000 tours complets. La signification de ceci est que tout le sang visite 1000 fois les 100 trillions de cellules dans le corps, leur transmet les nutriments nécessaires, donne l'oxygène et prend le dioxyde de carbone, répare les dommages et collecte les excédents. Chaque cellule dans le corps, grâce au tempo incessant du cœur, est contrôlée 1000 fois par jour. Ainsi, 8 000 litres de sang sont pompés par jour. Même en plein sommeil, le cœur d'une personne adulte pompe environ 340 litres de sang par heure. Cette vitesse est assez grande pour remplir facilement le réservoir à essence d'une voiture en 7 minutes. Écoutez-vous dans un environnement silencieux. Est-ce que vous entendez le bruit de l'activité intense à l'intérieur de votre corps? Bien sûr que non. Même dans un environnement silencieux, vous ne pouvez entendre aucun bruit. Or, rien que 2 mm sous votre peau, se trouve un réseau de veines de milliers de kilomètres. Votre cœur fonctionne à un rythme magnifique, pompe le sang jusqu'au moindre recoin et peut former une pression et une vitesse si grande à tel point qu'il peut faire jaillir le sang à des mètres de hauteur. Maintenant, pour voir la perfection de ces caractéristiques principales évidentes du cœur dont nous parlons, faisons une comparaison. Imaginez que vous faites une installation d'eau et que cette installation pompe de l'eau au minimum une fois par seconde et en moyenne 65 à 70 fois à la minute. Qu'avec cette pompe, qu'il faille que chaque seconde, l'eau aille dans les foyers de 100 trillions de personnes avec la même pression. Et qu'en même temps, l'installation diagnostique quelle maison a besoin de combien d'eau et qu'elle en envoie en plus grande quantité à celle qui le nécessite. Que ce système établi n'ait pas la moindre panne pendant au moins 70 ans, qu'il ne rouille et ne pourrisse pas, que pas même un seul des conduits qui va aux maisons ne sorte de sa place, et que ceci soit seulement quelques-uns des détails importants. Pouvoir faire fonctionner un tel système est improbable sous de très nombreux aspects. Il est impossible de faire face aux besoins de 100 trillions de maisons en même temps avec la même pression. Il ne peut être question pour une machine qui fonctionne avec une si grande vitesse et un rythme qui ne change pas de résister plus de 10 ou 15 ans. Même pour parvenir jusqu'à ce stade, il faut obligatoirement passer plusieurs fois la machine par l'entretien et remédier aux défaillances qui se présentent. Il est impossible qu'un tel mécanisme fonctionne sans faute de longues années.
De plus, ce dont nous parlons est un appareil banal. Prétendre que cet appareil diagnostique les besoins dans les maisons, évalue la situation et envoie de l'eau en plus grande quantité aux endroits nécessaires ne s'accorde pas avec la logique. Personne ne peut prétendre qu'un tel mécanisme se soit formé par lui-même au cours des milliers d'années passées, par l'union du fer et du ciment, que soudainement, il commença à pomper de manière rythmique une quantité d'eau formée par hasard et qu'ensuite, un système de tuyaux s'installa par lui-même de manière à atteindre exactement 100 trillions de maisons. Il est clair que le système fut apporté par un être intelligent. La structure de l'être humain, qui apparaît extrêmement chétive et inerte quand on la compare avec le cœur, alors qu'il est clair qu'un tel système ne peut pas se former par lui-même, il est une réalité qui ne fait aucun doute que notre cœur, qui possède des particularités magnifiques, ne peut pas en venir à l'existence par lui-même. Sous tous ses aspects, le cœur est une grande œuvre d'art. Cette œuvre sans pareil, dans chacune de ses caractéristiques que nous allons examiner plus en détail sous peu, fait connaître aux gens l'intellect et la force supérieure d'Allah. Voici ce qui est proposé dans les versets. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ? Et ensuite, une adhérence. Puis, Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis, en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? Le rythme dans les muscles du cœur. Le corps humain se compose à peu près de 100 trillions de cellules. Chacune de ces cellules ont des fonctions différentes et des spécificités. Certaines sont sans noyau, comme dans les cellules des globules rouges. Certaines, comme dans les cellules de la trachée, sont couvertes de duvet. Quant à certaines, elles possèdent des moteurs qui les font bouger. Mais dans le corps, il y a un tel genre de cellules qui possèdent une aptitude spéciale qui ne se trouve chez aucune autre cellule. Ces cellules peuvent faire des mouvements de contraction et d'ouverture. Les propriétaires de cette aptitude sont les cellules musculaires spéciales qui se trouvent dans le cœur. Ce groupe de cellules commence soudainement à bouger dans la période embryonnaire. Lors d'une opération à cœur ouvert, bien que tous les nerfs leur étant reliés soient ôtés et que toutes les liaisons avec les organes environnants soient coupées, ces cellules peuvent continuer à battre. Bien plus, en extrayant une quelconque de ces cellules, puis, lorsque vous la mettez sous le microscope, tant que vous l'alimentez avec du sang, elle va continuer à battre. Ce qui rend spécial ces cellules, c'est qu'elles se comportent comme si elles avaient décidé de battre, de pomper le sang et de faire vivre l'être humain. Très bien, et d'un point de vue technique, comment ces cellules réalisent-elles la fonction du battement ? Les cellules du cœur battent grâce à un courant électrique à faible voltage qui passe sur eux. Chaque cellule qui forme le cœur est pour ainsi dire comme une pile vivante. Elle forme elle-même l'énergie chimique qui commence les mouvements qu'on appelle les battements du cœur. Ces opérations si complexes, au point de ne pouvoir être contenues dans la durée restreinte de ce film, ne peuvent être expliquées avec aucune assertion évolutionniste. Concrétisons cela avec un exemple. Si vous aviez la possibilité de prendre une à une les cellules du cœur et de les examiner sous le microscope,
vous verriez que chaque cellule bat à des vitesses différentes. Ceci est extrêmement étonnant, mais en même temps une situation miraculeuse. Car ceci n'est pas un désordre, mais au contraire, l'indication d'un ordre magnifique. Le cœur a une forme de battement rythmique et synchronisé. Les cellules agissent conformément à cette synchronisation, pour ainsi dire, comme si elles savaient quand elles doivent se contracter et quand elles doivent se relâcher. Car Allah a inspiré à chacune des cellules comment elles doivent battre. Lorsque se réunissent deux cellules du cœur qui battent à des rythmes différents, suite à un mécanisme extraordinaire, elles prennent soudainement un rythme commun. Et quand elles se réunissent toutes ensemble, elles prennent la forme d'un seul organe constitué de cellules concordantes entre elles et elles ajustent le meilleur rythme pour pomper le sang. Cette harmonie parfaite entre les cellules est l'une des preuves de l'art de notre Seigneur. Allah règne sur toutes choses. Il possède une très grande puissance. Le mécanisme de fonctionnement du cœur. Le cœur a un mécanisme de fonctionnement vital. Maintenant, regardons ce mécanisme d'un peu plus près. Le plus important des mécanismes que possède le cœur sont les pompes qui se trouvent à sa gauche et à sa droite et que l'on nomme oreillette et ventricule. Transmettre aux organes et aux tissus le sang propre qui vient au cœur, cela incombe à l'oreillette et au ventricule qui se trouve à gauche. Quant au ventricule droit et l'oreillette droite, ils sont chargés de transmettre le sang sale aux poumons afin d'être nettoyés. Lorsque le sang propre atteint le cœur, il remplit d'abord la petite pompe en haut, c'est-à-dire l'oreillette gauche. De là, il est transféré à la grande pompe en bas, c'est-à-dire le ventricule gauche. Et de la même manière, le sang sale est transféré vers le bas de l'oreillette droite au ventricule droit. Ici, tout doit être fait dans l'ordre. Si cet ordre est défait, soit le cœur ne pourra absolument pas pomper le sang dans le corps, soit il va forcer de manière excessive. Pour que cet ordre puisse être réalisé correctement, il y a des clapets entre les oreillettes et les ventricules. Ces clapets s'ouvrent d'un seul côté dans le sens de circulation du sang. Lorsque les oreillettes se contractent, ces clapets s'ouvrent et le sang se remplit dans la grande pompe, c'est-à-dire dans les ventricules. Après que cette opération ait été réalisée, les clapets se ferment pour que le sang ne retourne pas à l'endroit d'où il est venu. Ces clapets se trouvent également dans les ventricules du cœur. Lorsque les ventricules se contractent, ces clapets s'ouvrent et permettent au sang de circuler dans le corps. Quand la fonction de pompage s'arrête, les clapets se ferment, empêchant ainsi le sang pompé de revenir au cœur. Le bruit que nous appelons battement du cœur n'est pas comme on le pense, le bruit émis suite à la contraction et le relâchement du cœur. En écoutant les battements du cœur, on entend en fait le bruit de ces quatre petits clapets qui s'ouvrent et se ferment intensément. Cette structure supérieure qui possède ce système magnifique nous prouve que le cœur et le système de circulation qui se trouve à l'intérieur du cœur ne sont pas formés par hasard et qu'ils ont été créés par une force supérieure. Le maître de cette structure supérieure est Allah le Très-Haut, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre ces deux. Une synchronisation extraordinaire. Dans la synchronisation du cœur, il y a un ordre parfait, et ceci est assuré avec la coordination et l'information entre les cellules qui forment le cœur. Un intellect supérieur se manifeste dans les cellules. Les cellules qui forment le cœur envoient le courant électrique vers l'autre côté du cœur avec une vitesse d'environ 60 cm à la seconde. Quant au temps de production de ce courant électrique, il est rapide au point d'étonner l'être humain,
1/14 de seconde. Alors que le courant électrique avance avec rapidité, il agit successivement sur les deux oreillettes et il permet leur contraction pour collecter du sang. Quand le courant électrique est sur le point d'atteindre les muscles ventriculaires, il est arrêté par les cellules fibreuses spéciales sur le tissu musculaire entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Cette situation provoque un retard lorsque le courant électrique arrive au ventricule et la vitesse du courant électrique tombe à 20 cm à la seconde. Ce retard est extrêmement important, car c'est uniquement par ce moyen, sans que les ventricules se contractent, que les oreillettes remplies de sang ont pu trouver l'occasion pour se préparer à pomper le sang. Ceci est aussi le secret des mouvements synchronisés du cœur. Ce que vous avez regardé est l'un des innombrables détails qui se forment dans le système électrique du cœur. Le cœur possède des caractéristiques miraculeuses. La moindre défaillance qui pourrait survenir dans ce système qu'il possède ferait que le sang n'aille pas dans différents organes du corps ou qu'il y aille tard. Cette situation aurait des conséquences extrêmement graves. Ainsi, dans les 4 ou 5 premières secondes, le fait que le sang n'aille pas au cerveau provoquera l'évanouissement de la personne et si ce délai s'allonge encore, la mort s'ensuivra. En regardant toutes ces caractéristiques, nous voyons que le cœur produit lui-même sa propre énergie et que c'est un être vivant conscient qui, avec cette énergie, agit d'une manière extrêmement synchronisée et harmonieuse. L'endroit d'où commence le mouvement est une petite bosse formée d'un nombre précis de cellules. Ce groupe de cellules sait avec quelle vitesse il faut transmettre le courant. Dans le cas contraire, le cœur ne pourra pas exécuter la fonction qui lui incombe et ne sera pas en mesure de pomper le sang. En même temps, le cœur diagnostique aussi très bien la quantité de courant électrique qu'il produit lui-même. Si un courant électrique en quantité si petite qu'il ne peut être mesuré passe par cette région de manière incontrôlée, cette situation se terminera par la mort. D'un autre côté, le cœur a la particularité d'autorégler sa propre synchronisation. Pour les cellules du cœur qui se trouvent côte à côte, celui qui a le rythme de contraction et de relâchement plus élevé prend l'autre sous contrôle. Si cette synchronisation se détériore, si lorsqu'une cellule se contracte, l'autre se relâche, le pompage nécessaire n'aura pas lieu. Et comme conséquence de cela, dans un temps très court, le cœur s'arrêtera et sous quelques secondes, cette situation provoquera la mort. En bref, le cœur composé de cellules spéciales produit constamment de l'énergie, coordonne le sang, se contracte et se relâche lui-même, peut régler son propre agencement à la fois intelligent et possédant les particularités de planifier, calculer, prendre des précautions et agir vite. Un agencement si magnifique n'est certes pas l'œuvre d'aléas aveugles, mais celui d'Allah, le possesseur d'une intelligence supérieure. Le réseau spécial qui alimente le cœur. Le cœur est un organe qui nourrit tout le corps et comme tous les organes, lui aussi doit s'alimenter. De plus, le cœur, en raison de la fonction vitale qu'il a endossée, a besoin d'encore bien plus d'oxygène et de nutriments. Or, le muscle du cœur est d'une épaisseur telle que les substances alimentaires et l'oxygène ne peuvent pas passer et il est d'une texture compacte. Par conséquent, le cœur ne peut pas profiter des veines qui passent à l'intérieur de lui. Dans ce cas, comment s'alimente cet organe vital? Le cœur possède un équipement spécial d'auto-alimentation. Le nom de cet équipement sont les artères coronaires. Au moyen des artères coronaires, le premier récepteur du sang qui sort du cœur, c'est encore le cœur. Les artères coronaires sont deux branches distinctes séparées de l'aorte, laquelle transporte le sang le plus propre et le plus riche en oxygène, provenant des poumons. La particularité de ces veines, c'est qu'elles furent créées uniquement pour nourrir le cœur. Les artères coronaires, contrairement aux autres veines, sortent du cœur et au lieu d'aller dans les organes, retournent au cœur. Ainsi, le sang le plus riche en oxygène, sans aller dans aucun autre endroit, s'affaire pour nourrir le cœur, comme s'il avait pour ainsi dire diagnostiquer la région où il y a le plus besoin en oxygène dans le corps. Pour que les cellules du cœur puissent fonctionner, le sang dans les coronaires qui transforme l'oxygène et le sucre en énergie est obligé d'être riche au regard de ces substances.
car le ravitaillement du cœur en énergie est ajusté en fonction du besoin et sous quelques secondes, cela peut être multiplié par 4 ou 5. Les artères coronaires furent agencées de manière si parfaite qu'il est clair qu'un tel ordre ne peut pas se former de lui-même. Ces artères, qui entrent dans le cœur en se séparant en petites branches tel un arbre, se répandent sur tous les côtés du muscle du cœur, car chaque cellule qui forme le cœur doit prendre de manière permanente de la nourriture et de l'oxygène. Lorsque ces veines vont vers le cœur, elles font en outre les liaisons intermédiaires entre elles. Ce détail est extrêmement important, car si une quelconque des veines se bouge d'une certaine manière, le cœur ne peut se nourrir et il meurt. Les liaisons intermédiaires sont une précaution importante prise face à une telle probabilité. Si une seule des veines se bouche, grâce à cette précaution, le sang poursuivra son chemin depuis l'autre veine, dépassera la région bouchée et parviendra au cœur. Ici, il faut poser une telle question. Est-ce que c'est en pensant à la probabilité de l'occlusion de la veine que les hasards ont considéré comme approprié de prendre une précaution alors qu'il n'y avait pas encore un tel danger? Ceci est certainement impossible. Les hasards sont des événements fortuits et inconscients qui ne laissent place à aucune intervention consciente. Cette structure magnifique dans le cœur, qui donne forme à tout type d'être vivant, y compris l'être humain, qui connaît tout genre de détails qui leur est propre, appartient à Allah qui les a créés. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi de cette réalité. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Invitation à l'intellect. Un grand nombre de personnes ne s'aperçoivent même pas des équilibres parfaits qui fonctionnent chaque moment dans leur corps. Car, parmi ces équilibres, aucun ne subira de détérioration sans raison. Par ce moyen, un grand nombre de personnes passent leur vie sans problème. Or, à l'intérieur du corps, il y a d'innombrables équilibres qui doivent constamment rester fixes, ne jamais se détériorer et ne pas subir de dégâts. Et le cœur est l'un de ces équilibres les plus importants. Il y a de très nombreux facteurs qui peuvent affecter cet équilibre de manière négative. Mais l'ordre établi pour que les équilibres restent fixes est excellemment parfait. Par exemple, le fait que la quantité de sang qui sort du cœur soit la même que la quantité de sang qui y retourne. Imaginons que cet équilibre soit défait. Dans une telle situation, le sang envoyé au corps, comme il ne pourra pas revenir, va s'amasser dans certaines régions du corps. Et ceci va être la raison pour la formation de divers œdèmes dans le corps et de blessures dues aux éclatements de vaisseaux. Comme du sang en quantité insuffisante retournera au cœur, la quantité de sang nettoyé va également être assez faible et le sang propre qui va de nouveau être envoyé du cœur sera insuffisant quant à pouvoir nourrir le corps. Quand ce déséquilibre continue un certain temps, les organes du corps commencent à mourir car ne pouvant se nourrir. Face à cette situation surprenante qui a encore de très nombreux détails, chaque personne qui peut utiliser son intellect va saisir la réalité importante en face de lui. Nous avons en face de nous une structure formidable, une perfection et un intellect qui par bien des fois dépassent les limites de l'intellect humain. Chaque personne qui regarde tout cela sans préjugés et avec une conscience ouverte pourra s'apercevoir tout de suite de l'existence absolue de notre Seigneur et de sa souveraineté. Comme nous en sommes informés dans les versets, ce mécanisme extraordinaire du cœur est sans aucun doute l'œuvre d'Allah qui donne forme dans un ordre et qui crée de manière parfaite. Allah a créé l'être humain et fait des innombrables mécanismes complexes dans son corps, une preuve de cette création.
Ces perfections, qui sont expliquées depuis le début du film, sont pour pouvoir montrer que la haute existence d'Allah est partout et que nous puissions faire apercevoir que ses œuvres magnifiques existent dans notre propre corps. Les personnes qui refusent de voir ces réalités vont s'apercevoir dans l'au-delà de la grande insouciance dans laquelle ils sont tombés, car comme s'ils ne voyaient pas les innombrables preuves qui leur furent montrées, et alors même qu'ils les voyaient chercher d'autres explications à tout cela, il est possible que la contrepartie sera assez grande auprès d'Allah. Pour ceux qui nient tout en sachant, Allah a préparé une vie éternelle en enfer. Chaque être humain qui utilise son intellect doit donner une probabilité à la réalité de la vie de l'au-delà, réfléchir un peu et craindre très sérieusement le châtiment de l'enfer. Dans un verset, Allah explique ainsi la situation de ceux qui vont dans l'au-delà avec leur négation. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes.